Bonjour à toutes et à tous, je suis Sekler Bamba. Je vais dans cette vidéo vous montrer comment on conçoit un packaging 3D. Et je vais prendre l'exemple d'un ami, ou bien l'exemple d'une marque d'un ami, d'un frère, Abakar Amama, qui est dans la couture. Et là, nous allons lancer Illustrator. En même temps, nous allons essayer de lancer Google Chrome pour aller sur la page Facebook d'Amama et récupérer son logo. C'est déjà fait, je l'ai fait en amont, j'ai déjà son logo. D'accord, je vais prendre le web large. Donc c'est sur cette page-là que je vais concevoir le logo. Excusez-moi, c'est sur cette page que je vais concevoir le packaging pour notre ami Amama. Et donc j'aurai besoin de son logo, c'est déjà importé. Je vais l'importer sur Adobe Illustrator. Je vais importer le logo. Il est là, Amama. Ok. Dans le cadre de cette vidéo-là, je ne vais pas faire de la couture, je vais faire un parfum. Voilà, donc j'aurai juste besoin de cette partie-là. Voilà, juste besoin de cette partie-là. Je la récupère. Ensuite, je vais dupliquer ça. Et je prendrai également seulement la partie du haut. Très bien. Même chose. Voilà, j'en ai besoin. Étant donné qu'Amama est un Tchadien, je vais chercher, pas le logo du Tchad, mais le drapeau du Tchad et le drapeau du Sénégal, son pays d'accueil. Voilà. Il est là. Je vais télécharger le drapeau du Tchad sur mon bureau. Appelons un code. Je vais également télécharger le drapeau de son pays d'accueil, le Sénégal. Voilà, je crois que j'ai tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir démarrer maintenant mon travail. Je vais importer les deux drapeaux. Voilà, j'ai les deux drapeaux. Maintenant, vous savez, un packaging c'est 6 faces, mais moi je ne vais pas designer l'ensemble des 6 faces. Je vais seulement dessiner, disons, 4 faces. C'est largement suffisant comme exemple. Donc là, en plus du packaging, en plus de l'emballage, je vais également essayer de faire le conditionnement si possible. Commençons d'abord par l'emballage si vous voulez. Donc là, moi, je vais prendre ça. Voilà. Je vais mettre un fond noir. Et sur le fond là, je vais poser le logo d'Amama. Ça fait rien, on peut le refaire de toute façon. Voilà, I need just this and this. Voilà, je vais le positionner sur le milieu du packaging. Voilà. Excellent.
Ok, je ne vais pas. D'accord. On va écrire un petit texte dessus. Je vais écrire parfois pour homme. Voilà. Je vais le poser sur l'emballage et je change la couleur pour que ça soit lisible et visible. Voilà. Voilà, on va mettre en miniature les drapeaux des deux pays de notre frère. From Tchad to Sénégal, voilà. Voilà. Kouyasoga. Ok, je vais maintenant créer les deux côtés. Je vais dupliquer ça tout simplement et je réduis la taille comme ça. Ensuite, je le duplique ici. J'espère que vous comprenez, là j'ai les trois faces. Je vais mettre maintenant, qu'est-ce que je vais mettre ici? Bon, rien de spécial. Peut-être je vais rappeler, si vous voulez, on va rappeler les drapeaux des deux pays, ça peut être toujours intéressant. On va faire ça. Voilà. Voilà, ici on ne met rien. Je vais mettre maintenant la face du haut. La face du haut, je vais seulement dupliquer ça. Je vais réduire la taille. Et m'assurer que excellent, voilà, donc là je vais maintenant revenir à ma position normale. Et ici je ne vais pas, je vais seulement mettre le logo sans les écritures. Voilà.
Je vais l'agrandir un peu. Voilà, c'est bon là. Excellent. Le bas, je vais mettre la base là, je vais la répéter ici, ça peut être intéressant. Voilà, ça qui va constituer la base de notre parfum. Très bien. Et enfin, le côté arrière, il est là. Je ne vais rien mettre là-bas, peut-être éventuellement un code-barre, pourquoi pas. Je vais mettre ça. Comme ça, ça je le déplace. Bon, disons, je vais essayer de télécharger rapidement un code-barre sur Internet. Barre, ce n'est pas ce qu'il faut faire hein. Là c'est juste un exemple. Je vais mettre un code barre PNG transparent, j'espère que je l'aurai. Bon, je prends ça pour voir. Je vais enregistrer ça sur mon bureau. Je mets code barre. Allez, c'est parti, enregistrer. Je vais le conserver quand même. Je vais le déplacer sur mon travail. Il est là. Ok, je vais faire un tracé blanc là, ici, pour que le code barre soit lisible. Ok, je vais réduire un peu mon code barre. Voilà, à peu près. Je vais mettre les ingrédients ici. Voilà, pourquoi... Voilà, c'est bon, hein? Là, c'est juste un exemple. Voilà, je crois que je vais essayer maintenant de... Je vais ouvrir le panneau symbole. Je vais ouvrir le panneau symbole. Ok. Je prends d'abord ça. Je le mets à l'intérieur. Je vais l'appeler top. Ça fait rien, j'ai oublié de... Ok, ça fait rien. On va sélectionner tout. C'est bon. J'ai fait la même chose ici.
Et enfin, le dos. Très bien. Là, ça commence à prendre forme. Maintenant, je vais afficher à nouveau le panneau symbole, fenêtre, symbole. Là, je prends d'abord ça, le haut. D'accord. Ça, c'est le bas. Je mets côté 1. Là, je mets le côté 2. Et là, je mets le dos. Voilà. Maintenant, nous avons mis ça dans les... je vais essayer d'élargir le plan de travail, c'est plus... C'est plus simple. Pour ne pas supprimer ça. Voilà, là maintenant je vais... Je vais dessiner le même rectangle là. Voilà. Je le prends, je le mets ici. Ce sera ça ma boîte. Je vais changer... bon, laissons la même couleur. Maintenant, je vais sur effet 3D et je mets... extrusion et biseautage. Voilà, là ça doit être bon. Très bien, 134. Je vais changer la couleur pour que ça soit plus visible. Voilà. Très bien. La suite, je vais le faire avec le panneau aspect. Très bien, je remets ma couleur noire. J'ai pas augmenté un peu jusqu'à 100. Voilà, 160. 150, je vais mettre 150. Je vais maintenant plaquer. Avant de plaquer, je préfère travailler sur la face avant, plaquage maintenant. La face avant, c'est... Ça, je ne l'ai pas ajouté, hein. Je crois bien. Je vais l'ajouter au symbole. Voilà, heureusement que je n'ai pas effacé. Cette partie-là n'a pas été ajoutée au symbole. Voilà. Je mets avant. Right. Ok, là, je reviens maintenant sur plaquage maintenant. Je vais plaquer sur la page avant, sur la face avant, avant. Ajusté, c'est bon. Oulibat.
Là, c'est la face arrière. C'est le dos. Là, c'est le côté. Je fais comme ça. Je fais côté 1. Je le fais à la main. La phase 3, ça c'est je vais faire une petite déformation, changer l'orientation pour voir les faces sur lesquelles je travaille. Ouais, déjà j'ai déjà réglé toutes ces faces là, je vais continuer maintenant mon plaquage. Et là je suis sur le bas, voilà l'intérêt de retourner un peu le packaging. Là je vais mettre maintenant down, vous voyez, et là je vais faire ajuster. Très bien, je continue mon travail. Là je suis sur l'autre côté maintenant, c'est là où j'ai mis pour homme. J'ai fait comme ça, c'est deux. Très bien, regardez bien. J'ai dépassé un point, mais c'est pas méchant. Je fais OK, j'avance. Il reste la dernière face. C'est le top maintenant, c'est le top ici en haut. Et je vais y poser quoi? Top ça. Voilà. Tu fais ajuster, c'est plus simple. Voilà. Et là, j'ai mon emballage. Et regardez maintenant, nous allons voici le bas, voici le haut. Voici le côté. Voici l'autre côté sur lequel on a mis pour homme. Je vais maintenant essayer de changer un peu les couleurs pour voir ce que ça donne. J'ai fait OK ici et je vais changer. Ça n'a pas beaucoup d'effet, je vais laisser en noir. Voilà le packaging en 3D que nous avons conçu. Voilà, je vais enlever l'ombre, c'est plus beau comme ça. Si on nomme, ça donne ça.
D'accord. La géométrie 3D invisible, je laisse également. Je fais OK. Et là, je vais vous montrer les différentes faces du parfum. Ça, c'est la face avant. Ça, c'est l'arrière du parfum. Le côté gauche. Le côté droit. Voici le haut. Et voici le bas. Je vais maintenant faire ça. Et là, vous allez voir le parfum. Et je vais faire une rotation pour vous montrer les différentes faces. Voilà. Merci. Et à demain pour peut-être la bouteille maintenant. Bon, sinon, on va essayer de faire la bouteille tout de suite. Je vais supprimer ça. Ça. Pour la bouteille, je vais faire comme ça. Ça. On va faire un flacon très spécial. On fait comme ça. Voilà. Le fond, je vais laisser comme ça. Je vais essayer de plaquer ici. La face avant de tout à l'heure. Voilà. Là, je le mets en noir carrément, hein. Très bien. L'eau également, je vais mettre en noir. Et voilà. Je crois que nous y sommes. Hein. Voilà. C'est bon, voilà, on y est.